Après 100 jours dans l'espace, le Dr Bob Tursk a été rejoint par l'équipage de la navette Discovery de la mission STS-128. Avec les membres de la presse canadienne, j'ai eu aujourd'hui la chance de participer à une conférence de presse et j'ai pu lui poser une question sur son expérience dans l'espace. Bonjour Dr Tursk, David Lobjoie pour le portail Sympathica. Ça va faire bientôt 100 jours que vous êtes dans la station spatiale. Ça fait 100 jours en fait que vous êtes dans la station spatiale. Est-ce que le médecin en vous a détecté des changements physiologiques dans votre organisme? Et comment combattez-vous l'atrophie musculaire? L'apesanteur, c'est un environnement unique. Et c'est vrai, il y a une perte de calcium des os et les muscles deviennent faibles. Nous avons trois sortes de machines, d'équipements ici pour rendre les muscles forts. Mais pour la première fois, nous avons essayé un nouveau médicament, alendronate, afin d'arrêter la perte de calcium des os. Et j'espère que tout va bien.